Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Alvel 4 News et ce dernier numéro de l'année de Réal Politique. Professeur Mohamed Belkhour, bonsoir. Bonsoir madame. On peut dire que l'année 2022 aura été à plus d'un titre celle, une année mouvementée, avec des rebondissements, des dates marquantes pour le monde entier. Pour l'Algérie, 2022, c'est surtout l'année de la diplomatie algérienne qui a gagné son pari à travers l'organisation, la réussite du sommet de la Ligue arabe. Un succès dû, il est utile de le rappeler, à l'ADN de cette diplomatie algérienne, n'est-ce pas, professeur ? Absolument. C'est l'année de le 60e anniversaire de notre indépendance. Donc c'est 60 ans de diplomatie post-indépendance. C'est une année où notre diplomatie a rayonné sur plus d'un plan. On l'a vu déjà par rapport à un relancement d'un certain nombre de partenaires stratégiques. On l'a vu avec la Turquie, on l'a vu récemment avec la Chine. On attend aussi ce relancement et l'approfondissement de notre partenariat avec la Russie. On a vu une multiplication d'interactions diplomatiques qui avaient contribué à l'approfondissement de nos relations avec l'Italie. On voit aujourd'hui aussi notre rôle de plus en plus visible, de plus en plus prépondérant et de plus en plus efficace sur au moins les scènes régionales, la fois arabe et africaine. Il faut dire que pendant cette année, c'est aussi la mise en œuvre des orientations de M. le Président de la République qui ont été données aux chefs de poste diplomatique consulaire au fin 2021, en ce qui concerne notamment la protection de notre diaspora, aussi la recherche d'opportunités, soit en matière d'investissement, soit en matière de commerce. On l'a vu aussi par rapport à cette volonté pour notre pays de se projeter, non pas en matière de puissance, mais plutôt en matière de relations basées sur la coopération et la solidarité, notamment dans la sous-région Afrique du Nord et Sahel. On a vu pendant cette année aussi, Madame Rim, cette reconnaissance internationale, notamment du secrétaire général des Nations Unies, septembre 2022, oui, par rapport à aux contributions de diplomatie en matière de paix, de sécurité et de développement. Alors, vous avez parlé d'une diplomatie agissante, offensive plus que jamais. Si on devait parler justement de ce sommet de la Ligue arabe qui a été organisé à Mohamed Belkhour à Alger, ce fut justement l'occasion pour l'Algérie de démontrer son poids sur la scène régionale, son rôle important dans la région. Quels sont justement les acquis qu'on peut retenir de l'organisation de ce sommet arabe ? Bon, c'est une diplomatie proactive. Oui. Donc, c'est une diplomatie qui est basée sur une stratégie d'action, basée sur l'anticipation, mais surtout basée sur une rationalisation des choix. Notre pays a su organiser, et on l'a vu, on l'a vécu, ici même aussi, ici, oui, au mois de novembre passé. C'était une organisation très professionnelle en matière non pas seulement logistique, mais couverture médiatique. On a vu, c'était pour la première fois qu'un sommet arabe soit un sommet basé sur une nouvelle technologie. C'était un sommet sans papier, c'était une nouvelle expérience pour le monde arabe. On a vu aussi par la teneur des agendas, l'agenda de la Ligue, mais aussi l'agenda national par rapport à la réussite de ce sommet. On a vu des préparations qui ont été faites depuis pratiquement plus de 2 ans. Oui. C'est un sommet qui a été reporté vu la pandémie du Covid-19. L'Algérie a toujours tenu à respecter ses engagements diplomatiques et surtout à avoir cette possibilité de relancer le travail arabe sur ces deux principes essentiels, cette solidarité collective et surtout cette volonté de revoir les priorités de l'action politique arabe. On a vu par rapport à la question palestinienne, oui, qui a déjà été une priorité pour notre pays, notamment après la visite de Mahmoud Abbas, le président de l'État palestinien, au mois de décembre 2021, l'engagement des deux présidents, notre président M. Tebboune et M. Abbas, par rapport à une réconciliation interpalestinienne, par rapport aussi à la réunification d'Iran, ce qui a été
fait le 13 du mois d'octobre 2022 par la signature par 14 factions palestiniennes de la déclaration d'Alger, qui est une déclaration que je pourrais qualifier d'inédite, vu déjà sa globalité, mais aussi c'est l'engagement des 14 factions palestiniennes par rapport à une feuille de route, notamment en ce qui concerne le renouvellement de l'instance dirigeante de l'OLP, à savoir le Conseil palestinien, mais aussi des élections pour l'exécutif, donc la présidence, oui, mais aussi pour le Conseil législatif palestinien. On a vu dans ce sommet l'engagement des pays arabes à accompagner les Palestiniens sur le chemin de la réconciliation, mais aussi à les accompagner pour pouvoir arriver à obtenir un statut, c'est un statut légal, légitime, de membre de plein droit au niveau des Nations Unies, ce qui a été aussi une des outputs du sommet d'Alger du 1er et 2 novembre passé. Alors, avant d'approfondir l'analyse sur le rôle important de l'Algérie dans ce dossier à soutenir justement la cause palestinienne, j'aimerais revenir avec vous, professeur, sur le contexte régional et international tendu dans lequel a fut organisé donc ce sommet. La mission n'a pas été facile au regard de ce contexte pour l'Algérie et la diplomatie algérienne. Le sommet d'Alger du 1er et 2 novembre 2022 de la IGALEP s'est tenu dans un contexte très particulier, pour ne pas dire exceptionnel, au moins sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est trois ans après le sommet de Tunis, donc il y a eu un certain nombre d'événements qui ont marqué le monde arabe, notamment en ce qui concerne la normalisation. Donc c'est un contexte particulier par rapport à ce contexte où on a vu quatre pays, le Maroc, le Bahreïn, le Soudan et les Émirats, signer des accords avec l'antisioniste sur le parrainage des États-Unis. Des accords qui ont affaibli à la fois le front commun arabe, mais surtout aussi affaibli la cause palestinienne. Le deuxième niveau de ce contexte exceptionnel, c'est que le monde vit des crises multiformes, oui, mais aussi des chocs liés à la guerre en Ukraine, où il y a des tendances de polarisation. Il y a aussi des attentes par rapport à l'énergie, notamment de l'Union européenne. Et aussi, le troisième point, c'est un point très, très important à soulever, c'est un contexte particulier par rapport à la Ligue arabe aussi. La Ligue arabe qui a vécu pratiquement une décennie de problèmes, le post, disons, dynamique sociopolitique arabe, ce qui est couramment appelé, entre guillemets, printemps arabe. On a vu avec cette internationalisation de la crise libyenne en 2011, on l'a vu avec aussi en 2013 cette volonté de créer une nouvelle réalité en Syrie par l'exclusion de l'État syrien de son statut de membre fondateur de cette ligue, mais on l'a vu aussi par rapport à un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont acquis des statuts d'alliés majeurs de puissances étrangères, notamment des États-Unis, ce qui constitue déjà en premier lieu un contraste par rapport aux engagements contractants de cette ligue, donc par rapport aux différents principes, mais surtout par rapport à la sécurité collective arabe. Donc il y a des schémas de conflagration, il y a beaucoup de dualités dans ce contexte, mais aussi il y a des problèmes de guerre par procuration, dont au moins trois situations en Syrie, au Yémen et en Libye. Je ne sais pas si vous partagez mon avis par rapport à ce conflit entre l'Algérie et le Maroc qui a pris le dessus dans les préparatifs de l'organisation de ce sommet. Il faut dire que l'Algérie n'a de conflit avec aucun État. Le Maroc, de par son statut de vassal, qui fait de la servitude stratégique, non pas seulement dans un projet occidental, comme ça a été le cas pendant les années de la guerre froide, mais plutôt dans un projet du sionisme mondial. Aujourd'hui, il faut dire que ce pays fait de la déstabilisation
dans toute la région. On a vu par la création de groupes terroristes que Sidi Moudjahar, par aussi son statut de premier pays producteur mondial de la résine du cannabis, avec plus de 700 tonnes de cette résine, qui crée des situations d'insécurité sanitaire et sociale, non pas seulement par rapport à notre pays, mais aussi par rapport à l'Espagne, par rapport à d'autres pays du Sahel. Mais surtout, aujourd'hui, c'est un pays qui essaye de créer les conditions de déconstruction de zones. Quel est l'enjeu justement de la diplomatie algérienne face à ce genre de situation? Notre diplomatie depuis pratiquement 1954, depuis la déclaration de novembre, c'est une diplomatie qui aspire déjà à créer des situations de paix, de sécurité et de prospérité. C'est les trois objectifs essentiels, mais aussi c'est le socle normatif de notre diplomatie qui définit les actions. On refuse l'ingérence. On refuse les engagements conflictuels. On refuse aussi ces situations d'atteinte au bon voisinage. On est toujours tenu par des engagements par rapport au droit international, les guides internationales, ce qui nous pousse aussi à défendre les causes justes, notamment celles liées à la décolonisation, par le respect des règles et principes international en matière d'autodétermination, c'est aussi les principes de solidarité et de coopération. Donc l'Algérie n'a de problème avec aucun pays dans ce monde. Oui. C'est les autres pays qui sont en train de créer, c'est le Maroc qui crée les conditions d'atteinte déjà à notre souveraineté, le cas de la guerre des Sables en 1963. On a vu l'ancien roi du Maroc, Hassan II, qui parlait du laboratoire expérimental en matière de terrorisme en Algérie, mais on voit aussi ces guerres médiatiques par la manipulation, par les fake news, etc., qui essayent de créer vainement des situations de désespoir, même d'atteinte à la crédibilité de notre pays. L'Algérie est un pays qui est reconnu de par le monde par son rôle constructif en matière de paix et de sécurité, ce que l'Algérie a toujours fait depuis son premier engagement diplomatique le 20 du mois d'avril 1955, en ce qui concerne ces principes fondateurs de notre diplomatie, mais aussi par rapport aux différents engagements de notre pays pour la paix et la sécurité au monde, la résolution de certains nombre de conflits. 1975, c'était le conflit entre l'Iran et l'Irak. Début des années 80, on avait perdu notre ministre des Affaires étrangères dans une deuxième tentative de règlement du conflit entre l'Iran et l'Irak. On a vu le règlement du conflit, la question des otages américains en 1981 à Téhéran. On a vu le règlement à quatre reprises de la crise au Mali, 90, 96, 2006, 2015. On a vu le règlement du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie et Alger en 2000. Et l'Algérie continue à être un acteur de paix, un acteur de sécurité, un acteur qui essaye d'aider dans la construction de cette architecture de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est la même chose pour le monde arabe. L'Algérie a toujours été un pays constructif dans ses approches, oui. Sans alliance, et surtout, on essaie toujours d'être en équidistance avec tous les pays, avec un sens de responsabilité par rapport à la nation arabe, mais surtout par rapport à cette volonté d'engager les pays frères vers plus de solidarité, plus d'action commune, mais surtout plus d'engagement par rapport à la question palestinienne. Justement, donc l'approche algérienne est tout à fait claire, notamment pour ce qui est du soutien à la cause palestinienne, professeur Mohamed Barkouk. Donc, si on devait parler justement des contours et des objectifs de la diplomatie algérienne sans poids dans le soutien de la cause palestinienne, en quoi réside son importance, que ce soit en interne ou à l'échelle internationale actuellement? En interne, il y a un consensus total, absolu, entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le peuple et l'État qui s'engagent aux côtés de nos frères palestiniens. C'est une question juste et c'est une question aussi qui est liée à un tort historique.
causée par les Nations Unies, par la création d'une entité par le Conseil de sécurité en 1947. Depuis 1947, la région n'est pas connue de paix, ni de sécurité, ni de stabilité, tant que les Palestiniens n'ont pas encore accédé à leur statut d'État indépendant. Donc, pour l'Algérie, c'est une question de principe, mais un engagement historique par rapport à nos frères palestiniens. L'engagement depuis 1948, les centaines de personnes d'Algériens qui sont partis combattre aux côtés des Palestiniens, mais aussi depuis notre révolution, pendant notre révolution, un engagement aux côtés des frères palestiniens. Le premier bureau de Fatah a été ouvert à Alger en 1963. Le Ben Bella en 1964 avait proposé la création de ce qu'il appelait le Front de libération nationale de Palestine, qui est devenu en 1965 l'OLP. C'est à Alger, lors du premier sommet organisé à Alger de la Ligue arabe, que l'Algérie avait soutenu cette représentation légitime de l'OLP. En 1974, c'était l'engagement de notre diplomatie aux côtés des Palestiniens, en leur permettant de défendre leur cause par le biais de feu Arafat à l'Assemblée générale. On a vu en 1988 la proclamation de l'État palestinien à Alger, mais on voit depuis toujours cet engagement en matière de construction de capacités des Palestiniens. La dernière décision a lieu, c'était au mois de décembre 2021, lorsque notre président de la République avait annoncé l'octroi de 300 bourses aux jeunes Palestiniens pour poursuivre les études. Soutien perpétuel. Elle est permanente, elle est juste et justifiée. Ça constitue cet engagement de tous les Algériens aux côtés des Palestiniens. Alors, si on devait revenir un petit peu sur les grands partenariats stratégiques, professeur, vous en avez parlé au début de cette émission. L'année 2022 a été donc celle des grands partenariats scellés avec des pays comme la Chine, la Turquie. Qu'est-ce que peut soutirer l'Algérie de tels partenariats avec des pays aussi puissants sur l'échiquier mondial actuellement? Avant juste de répondre à votre question, il faut aussi rajouter, c'est une chose très importante en 2022, c'est justement cette réunion des factions palestiniennes à Alger, oui, qui constitue un nouveau point de départ pour la question palestinienne. Et j'estime que cet engagement aussi répété de notre président de la République par rapport à ce comité de contexte suivi de la Ligue arabe, en ce qui concerne un soutien diplomatique à la demande des Palestiniens par rapport justement à l'octroi de ce statut de membre de plein droit à l'Assemblée générale des Nations Unies. Par rapport à votre question, les grands partenariats pour l'Algérie, c'est des partenariats qui sont conçus non pas par rapport à des conjonctures, mais plutôt par rapport à une vision de consolider des relations historiques. La Chine, la Russie, la Turquie, aujourd'hui, il y a un point de départ par rapport aussi à l'Italie. Il y aurait d'autres partenariats plus engagés avec la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Indonésie, etc. Donc l'Algérie est en train de continuer à diversifier ses partenariats, mais aussi à les consolider. On a vu, il y a quelques semaines, la signature du deuxième plan de partenariat stratégique élargi, et global plutôt, avec la Chine. Oui. Le premier, c'était 2014-2019. Il y avait cette période du Covid qui a retardé quelque peu le deuxième plan. Mais on a vu ces engagements avec la Turquie, qui aspire à investir 10 milliards de dollars en Algérie, mais aussi l'Italie qui est devenue aujourd'hui non pas seulement un partenaire sûr, mais aussi un partenaire que je pourrais qualifier de stratégique et pivotale dans la stratégie nationale de redéploiement diplomatique. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, même dans notre région arabe, il y a ces partenariats qui sont en train d'émerger, de devenir plus visibles, plus opératoires avec le Qatar, peut-être dans peu de temps avec l'Arabie saoudite, mais en même temps, Notre diplomatie va créer davantage d'opportunités pour de nouveaux partenariats
stratégique. Donc l'Algérie, un acteur incontournable dans un monde de multilatéralisme professionnel. Sur le plan multilatéral, l'Algérie a toujours été à l'avant-garde, au moins au niveau du tiers-monde, en matière justement de ses actions, de ses proactions diplomatiques. Mais aujourd'hui aussi, c'est l'Algérie qui a toujours défendu les principes de non-alignement, oui, refuse toute polarisation. C'est pour cela qu'on a un partenaire stratégique avec la Chine, un partenaire stratégique avec la Russie, avec la Turquie, avec le Portugal. On a aussi un dialogue stratégique datant d'octobre 2012 avec les États-Unis, un dialogue militaire datant de 2005. Donc on n'a pas de partenaires privilégiés, on a des partenaires qui sont qualifiés de stratégiques et qui, et selon une logique de gagnant-gagnant. Donc nos principes sont clairs, les intérêts se négocient toujours. Alors si on devait faire le bilan de 2022, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dynamique qui commence à porter ses fruits pour la diplomatie algérienne ? C'est un renouveau de notre diplomatie, c'est de nouveaux points de départ. Pour moi, il y a une nouvelle méthode de travail. La politique étrangère est définie et orientée par M. le Président de la République, article 91 de la Constitution. La diplomatie constitue un ensemble d'outils d'exécution de cette politique étrangère. M. le Président de la République avait donné des orientations, voire des instructions lors de cette rencontre avec les chefs de poste diplomatique et consulaire. En ce qui concerne la transformation de notre diplomatie, non pas une diplomatie de représentation ou seulement de protection au minima de la diaspora et des intérêts, mais il faut plus de protection pour la diaspora, plus d'engagement en matière de prospection d'opportunités commerciales, économiques, mais aussi d'opportunités de partenariat. Mais il faut aussi nous focaliser davantage, c'est ce qu'on appelle en anglais state labeling, qui est la promotion d'image, ce qui manque beaucoup à notre diplomatie, cette diplomatie doit développer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. D'où l'importance de la diplomatie économique. Absolument. Et M. le Président de la République a mis l'accent sur ce type de diplomatie. Premièrement, en transformant le ministère du Commerce, le ministère du Commerce et la promotion des exportations. Deuxièmement, par la nomination d'un envoyé spécial chargé de la diplomatie économique en la personne de Dr Harchaoui Abdkrim. Oui. Troisièmement, c'est la refondation du rôle de notre diplomatie économique commerciale par plus de formations qui ont été organisées au mois de mars-avril 2021, la création d'une direction pour la diplomatie économique au niveau du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans tous les engagements de notre diplomatie, il y a justement cette focalisation sur la protection de la diaspora, mais aussi sur l'exploration d'opportunités, notamment par rapport à la diplomatie économique, investissement et commerce. Alors la diplomatie algérienne qui a de beaux jours devant elle pour l'année 2023, les défis seront de taille. Absolument, mais les opportunités aussi. Oui. En 2023, déjà au mois de juin, on aura encore une fois, l'opportunité d'être membre non permanent du Conseil de sécurité par l'élection des membres non permanents, mais aussi d'ici 2023, comme ça a été prononcé par M. le Président de la République, c'est aussi notre adhésion au BRICS. Donc c'est un statut de puissance émergente, non pas sur le plan régional, mais sur le plan international. On va développer autour de ce sujet dans nos prochains numéros. Merci. Professeur Mohamed Barkour pour cet éclairage, cette analyse autour de la diplomatie algérienne. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Al24 News.